bien de Paul. Pour vous éveiller, il vous faut toujours le châtiment et le jugement. Le châtiment est ce qu'il vous faut dans la vie. Et quand c'est nécessaire, vous devez subir le châtiment de l'arrivée des faits pour que vous soyez enfin soumis. Si vous n'étiez pas châtié et maudit, vous refuseriez de baisser la tête, vous ne seriez pas disposé à vous soumettre. Sans l'effet, il n'y a pas d'effet. Aujourd'hui, vous êtes protégé parce que vous êtes châtié, maudit et jugé. Dieu ne souhaite pas vous compliquer la vie. La nature de l'homme est tenace pour que le tempérament de l'homme change. Il doit en être ainsi. Sans valeur, vous êtes sans châtiment ni jugement. Il serait difficile de vous conquérir. Votre injustice serait irrépressible. Votre vieille nature est bien enracinée. Si on vous plaçait sur le trône la hauteur des cieux et de la profondeur de la terre, vous n'auriez aucune idée. Vous ne savez pas d'où vous venez, comment pourriez-vous connaître le Créateur? Sans le jugement opportun d'aujourd'hui, votre dernier jour serait déjà. Aujourd'hui vous êtes protégé parce que vous avez tant souffert. Sinon vous seriez dépravé. Dieu ne souhaite pas vous compliquer la vie. Pour que le tempérament de l'homme change, il doit en être ainsi. Sans ce châtiment opportun, votre destin serait en danger. Et qui sait à quel point vous seriez arrogant et dégénéré. Vous êtes incapable de vous contrôler et de réfléchir à ce que vous êtes. Le jugement vous a mené ici et a préservé votre existence. Vous feriez mieux d'accepter aujourd'hui le
le jugement et le châtiment. Quelle